Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nichmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Online. Enfin, une première vidéo sur Call of Duty Online. Ça fait un moment que je l'ai installé sur mon ordinateur, mais il ne se lançait pas, je ne savais pas pourquoi. C'était tout simplement les caractères chinois qui n'étaient pas acceptés sur mon ordi. Donc maintenant, voilà, il s'est lancé, mise à jour faite, etc. Tout est fait, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc il n'est pas accessible en Europe. Mais pour le moment, il faut un peu, je vais dire, comme ça, le tilter pour réussir à l'installer sur les PC. Donc ici, voilà, on a le didacticiel, comme dans tous les Call of, hein. On a le mode solo, hein, donc l'histoire. Alors on a premier mode avec des zombies, donc c'est pas des zombies cyborgs, je crois que c'est plutôt des genres d'aliens ou je sais pas, ils sont genre modifiés ou je sais pas ce qu'ils ont. Je pense que ici c'est le multi. Et le dernier, c'est avec vraiment les cyborgs zombies habillés en mec de chantier là. Voilà. Maintenant, on va commencer. Bah, on va commencer tout de suite. Franchement, je pense que je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous devez être impatient de voir la game que je vais faire. Je vous la mettrai complète. Donc, bah, on se retrouve tout de suite dans le jeu. C'est parti. Voilà, on arrive sur la map. Ouais, donc on est que avec des Chinois parce que je ne connais pas encore de Français qui ont le jeu. Donc enfin, j'en connais un, donc on va voir s'il va jouer avec moi d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même pour les serveurs européens vraiment une différence de connexion par rapport aux Chinois. C'est vraiment dommage. Sinon le jeu est vraiment bien. Franchement, il n'y a pas encore possibilité non plus de jouer à la manette. Ça m'emmerde un petit peu parce que je suis vraiment joueur manette sur le PC. Je me casse pas les couilles en fait. Donc ici c'est pas des armes qu'on trouve. Oh, doucement, doucement. Donc je disais donc c'est pas des armes qu'on trouve sur les murs comme dans le précédent Call of. Enfin, dans les précédents Call of. Ici voilà, c'est des munitions et des armes à acheter ici en fait. Ah c'est F. Voilà, donc on doit acheter des munitions, des armes, enfin ici dans la caisse à chaque fois en fait. C'est un peu emmerdant mais c'est comme ça. Bon, je vais essayer de pas vous faire trop de la merde, j'espère qu'il n'y a pas trop de latence parce que ça se voit c'est vraiment... c'est lent à mort en fait. Malgré que je suis connecté par câble et que j'ai une connexion haut débit en illimité, donc je fais vraiment au maximum. J'espère que le jeu sera mieux quand il sortira en Europe en fait. Donc ici le but en fait ce sera surtout de sauver les humains. Donc voilà, on a des humains à aider à monter dans l'hélicoptère. Et on doit tuer tous les zombies. J'ai vraiment du mal à jouer, je vous dis. Si en plus, on ne peut pas changer la touche pour tourner à gauche. Donc je suis un peu emmerdé aussi parce qu'elle est déjà utilisée en Q. Sinon ça va, il est jouable. Hein, c'est pas... Mais il faut vraiment avoir une bonne connexion. Faut pas franchement... Oh là. Oula, oula. Oh là 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 là. Je suis arrivé dans une game déjà en fait commencée moi. Les armes elles déglinguent bien d'ailleurs. Et je crois qu'on ne peut pas changer d'arme en fait. Je suis pas sûr mais... Parce que j'ai pas encore trouvé d'armes, j'ai trouvé que les munitions. Donc je suppose que les armes sont dans une caisse pareille aussi. Ou peut-être une caisse de ravitaillement, je sais pas. Ah, si j'avais fait une game hier, donc j'avais fait, je crois que c'est une bonne demi-heure la game. Je sais pas si je vous la mettrai toute en fait, on verra bien. Peut-être faire quelques coupures comme ça. Je suis les autres, ils doivent sûrement savoir quoi faire. Là il y a des humains justement à protéger à mon avis, donc voilà, on a un genre de sauvetage. Putain, allez, il y en a derrière ou quoi? Ah non, ah, si j'appuie pas sur la touche. C'est marrant toi. Faut que je me réhabitue à jouer au clavier parce que là c'est plus possible. Ah, c'est peut-être bien des armes ça.
Ah, voilà les armes. Je crois. Ah, et encore. Ça, c'est une nouvelle arme, je crois. Je peux la prendre. Ah ouais, ben voilà, je peux charger d'armes, donc on a des armes disponibles dans les caisses. Je préfère sans viseur. Avec le zombie, il n'y a pas besoin d'un viseur. Enfin, en mode zombie. On est combien, là? 1, 2... Ah, déjà, c'est un mode à 6 personnes. Donc, c'est plus à 4, c'est à 6. Ça, c'est pas mal. Carnage! Ben là, j'ai fait un sale carnage de malade, là. Elle recharge ma petite arme... On va aller rechercher des munitions, d'ailleurs. Parce que j'en ai plus beaucoup, j'ai plus qu'un chargeur. Wow. Cours. Ça va quand même vous faire plaisir. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir de voir ce genre de gameplay sur ma chaîne. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui prennent la peine de jouer sur ce jeu-là alors qu'il est accessible à tout le monde, il est en free-to-play, il faut juste voilà, un peu s'y connaître un ordinateur pour pouvoir l'installer et comprendre un peu comment installer un jeu. Eh, va jouer toi. Parce que malgré que tout est en chinois, voilà, il est bien. Franchement, il est bien et j'espère qu'il va sortir ici en Europe. Avec de meilleurs serveurs, ce sera vraiment magnifique. Même sur next-gen ou un truc du genre, hein, ce serait même une exclu next-gen, Xbox One, et PS4 et PC, ce serait cool, franchement. Moi, je serais d'avis qu'ils sortent comme ça. De toute façon, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce Call of, si vous le trouvez bien, ou voilà, si vous trouvez des défauts, ou s'il est répétitif par rapport aux anciens Call of, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, attends, l'autre qui grogne. Ça fait vraiment plaisir de rejouer à un mode zombie, à un vrai mode zombie. Ça me manquait, franchement. Alors, en tout cas, ils savent quoi faire, eux, les Chinois. Direct. Alors, on doit sauver à chaque fois les humains et les ramener à l'hélicoptère, apparemment. Oh, chaque vague ou un truc du genre. Je pense que sur chaque vague, il y a des humains à aller rechercher. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Ah, je suis pas encore tombé, c'est bon signe. Ancien joueur Call of. Mode zombie. Ça se voit. Putain, je suis entouré. Qu'est-ce que je fais? Esquive, esquive. On est reparti. On va chercher des munitions, vite. Allez, vite au cours, on est reparti, et voilà, il a récapté le zombie. Wouah, bim. Tous les zombies qui me suivaient, je vais pouvoir me les faire, voilà. On y est presque. Putain, ils sont vraiment bien faits, les zombies, j'aime bien. Je sais pas encore comment on met le coup de cut. Oh, grenade. J'ai trouvé les grenades. Ah, j'ai trouvé le coup de cut. Magnifique. Ça, c'est le bon vieux coup de cut, hein, la Black Ops, hein, ça, y a rien à dire. Faut enchaîner les coups de cut. On va racheter des munitions, on va pas faire le con. Alors, ça, c'est un bouclier, parfait. Et un plus un de je sais pas quoi. On va prendre un plus un de je sais pas quoi. De je vais rien dire. Attends, moi, je voudrais avoir. Un zombie, jamais le faire au coup de cut, mon gars. Il est pas tout oublié. Il est pas tout oublié, le mec. Il est pas mort. Oh, tu vas où, toi? Mais ils ont quand même l'air un peu électriques, les zombies. Je sais pas s'il fait... Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas où, toi? Et voilà, moi, je t'ai eu. Oh, putain, ouais. Moi, il me faut la mitraillette. Ouais, les vagues, elles reviennent. Voilà. Ah putain,
mon portilante. Bientôt plus de munitions, moi, il faut que j'aille en rechercher. Je vais faire ça vite. Putain de chien. Mais je vais pas changer d'arme, hein, moi. Je veux juste des munitions. J'entends un gros porc là qui arrive. Voilà, j'ai eu la mitraillette, magnifique, génial, je voulais vous la montrer. Nickel, ça rush. On nettoie un coup le secteur. Secteur nettoyé. Oh, on peut plus courir du coup. Ah ok, bah ouais, il y a ça à tirer. J'avais oublié. Du coup j'arrache le vaisseau là, il comprend rien à la vie le petit vaisseau. Ah du coup je suis remonté deuxième hein, je suis pas si nul que ça en fait. Je vais être premier alors que c'est la deuxième game que je fais quoi, les petits chinois ils vont être dégoûtés. Cours Mike, cours Maka. Ouh je l'ai eu, c'est bon. Premier, je suis une bête, je suis vraiment une bête. Les gars, ils tombent tous comme des crevettes. Et allez, franchement. Allez. Maka, allez, le plus fort, Maka. Va réanimer le saisi là. Ah putain. Ah bah voilà, je suis tombé au moment où je fais le malin. On a perdu! Bande de fiottes! Sérieux, si c'est en moi, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Punaise, ben voilà! Première game, ben voilà, on a des packs de ravitaillement, un peu comme dans Advanced Warfare. Ah putain, je suis dégoûté! Ouais, c'est moi le meilleur, hein, c'est moi le meilleur. Mais voilà les gars, premier petit gameplay sur Call of Duty Online. Et je vais hop quitter le menu, voilà parfait. Et je me débrouille quand même si c'est tout est en chinois. Hein. Bah, j'ai pas été jusqu'à la fin de la game, donc après la fin de la game, on devait reprendre l'hélicoptère je crois. Donc après avoir détruit le vaisseau, l'hélicoptère venait nous rechercher, on devait détruire la dernière vague de zombies. Et puis c'était terminé, hier j'avais réussi à terminer la game. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum pour que tout le monde la voit, parce que là ça me ferait super plaisir de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images les gars, et je vous dis ciao les geeks de mort. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the